souterraine et froide qui prend racine dans un drame à la fois personnel, puisque donc je suis partie de mon expérience, parce que j'ai vécu quelque chose de similaire à mon héroïne, et voilà, qui est devenu littéraire. Tout au long du roman, il y a ce parallèle avec la boxe et le sexe, finalement qui sont les deux points d'ancrage au monde pour mon héroïne, et qui reviennent en fait à la même chose, c'est-à-dire donner des coups, en recevoir, surmonter quelque chose, se confronter, s'affranchir, voilà, donc par exemple de ce drame-là qui hante les pages du livre et qui hante la vie de mon héroïne. Et voilà, et ce combat des corps en fait est à l'image de du jeu de domination qui existe dans les relations qu'elle noue, dans les relations affectives, et qui pose la question de qui dominera qui gagnera. Oui, il y a ce parallèle-là avec les relations amoureuses, en fait. C'est pas pour rien, en fait, que j'ai écrit ce livre maintenant. Je pense que j'aurais pas pu l'écrire peut-être il y a 6 ans ou 7 ans. La question du cœur de la femme est au centre de beaucoup de débats. En fait, c'est comme si on nous volait notre propre... le corps féminin est fait débat, quoi. Et c'est-à-dire que là, pour le coup, pour mon héroïne, quelque chose en elle a été tué, en fait, plus que de l'ordre du corps, mais aussi donc de la psyché avec ce viol. Et donc, tout ce travail sur le corps, c'est une manière de se réapproprier, de reprendre possession d'elle-même et de reprendre aussi le dessus sur, plus largement sur la jante masculine. Et voilà, sur la photo du livre qui a été réalisé par Jean-Baptiste Mondino, on voit un filet de sang qui s'écoule de mon nez, mais en fait tout ça c'est pour symboliser justement ce filet de sang qui s'écoule de la psyché du personnage, et que, pareil, il y a une hémorragie interne, en fait, une blessure cachée, et ça rappelle aussi le sang. Alors le sang, ça peut aussi être le sang des règles. Bah, le roman est narré par une espèce de conscience, ou de double conscience, en fait, qui s'attache à décortiquer tous les faits et gestes de l'héroïne. Et c'est comme si elle voltigeait parfois au-dessus de son corps, ou qu'elle était fragmentée en deux êtres distincts. Donc en fait, le tu donne presque des ordres et aussi incorpore le lecteur au récit. Pour moi, c'était important d'incorporer, voilà, le lecteur, qu'il se sente presque visé, en fait, dans ce que je raconte, au-delà même de cette fragmentation du personnage, qui d'ailleurs est plus passive qu'autre chose, en fait, et c'est pour ça qu'elle obéit presque mécaniquement à des gestes, des actions, et voilà, sa conscience est séparée tout là-haut. C'est plus une introspection, mais pour ce livre-là, je l'ai presque écrit dans une dynamique, dans un mouvement pareil à l'écriture d'un texte de rap, parce que moi j'avais un groupe donc, de rap électronique, et j'ai voulu garder cette espèce d'énergie, voilà, cette urgence, cette tension, comme quand t'écris un texte de rap, et que voilà, enfin, c'est un mélange en fait d'introspection, voilà, de travail plus profond, et en même temps d'énergie, d'une spontanéité, d'une urgence. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'aime bien penser que le mot rap signifie viol quand même en anglais. Donc il y a un truc intéressant là-dedans. J'ai commencé à écrire ce livre alors que je démarrais une psychanalyse. Et du coup, moi-même, j'écrivais ça sans même me rendre compte que j'étais rongée par quelque chose, en fait, que j'avais enfui et qui était prêt à exploser, de même que pour ma narratrice héroïne qui explose à la fin. Le roman s'articule autour de deux parties. Une première nommée Sphère Noire, qui était d'ailleurs le titre original de ma première version de travail, et qui rappelle aussi cette sphère noire infernale dans laquelle elle est prisonnière, que ce soit au sein du ring où elle s'entraîne ou à l'intérieur de sa vie,
avec ses relations sexuelles, ses étreintes successives avec ces hommes nommés 3, 2 et 1, qui sont presque comme des hommes interchangeables. Et c'est aussi. Ça fait aussi écho à cette bile noire de la mélancolie dans laquelle elle patauge. Donc la première partie est une véritable descente aux enfers. Et la deuxième, qui porte le nom du livre La colère, en vérité, il s'agit donc de la colère plutôt retrouvée, de l'accès à la colère. Donc il y a ces hommes 3, 2 et 1, mais on va s'attarder plus sur une relation qu'elle noue avec son amant principal, si j'ose dire, qui s'appelle 1, et qui lui est un ex-champion de boxe, coach, qui représente tout l'archétype viril du mâle, qui est musclé, beau. Qui a un comportement un peu sauvage, qui est auto-centré, égoïste et fuyant, et avec qui, en fait, il est impossible de nouer un véritable échange. J'ai voulu presque analyser une relation d'aujourd'hui, où j'imagine une fille qui se jette à cœur perdu sur des hommes, pour finalement réparer quelque chose en elle. Mais voilà, elle ne se heurte donc qu'à des corps, mais ce qu'elle voudrait par-dessus tout, finalement, ça paraît simple, mais ce serait d'être aimée. Et elle n'y parvient, enfin, elle a du mal à y parvenir, en tout cas.